L'initiative Scale-up Europe a démarré en 2022, premier closing en 2023. Et depuis le 2023, le déploiement a démarré. Un certain nombre de fonds publiquement ont été annoncés et d'autres en fait sont dans le pipeline pour un déploiement dans les prochains mois et prochaines années. Alors, les prochaines étapes de cette initiative, c'est justement le déploiement de ces fonds auprès d'autres sociétés d'investissement qui présentent en fait des caractéristiques éligibles pour ce type de programme, c'est-à-dire l'idée d'avoir des fonds d'une taille supérieure ou proche du milliard. L'idée étant en fait de supporter nos scale-up en Europe qui sont aujourd'hui financés essentiellement par des fonds non européens, essentiellement américains. Alors, ce dispositif répond en fait à une vision. La vision, c'est que le marché européen est incomplet. On a développé de manière très significative au cours des 10 dernières années un écosystème qui est extrêmement performant, développé, granulaire, sur l'ensemble des segments du financement des startups. On avait un trou dans la raquette qui était celui en fait du ce qu'on appelle le late stage, gros, c'est-à-dire les sociétés qui sont en pré-IPO. Et ici, clairement, ce programme a pour objectif de faire en sorte que nos sociétés européennes puissent bénéficier aussi des financements en Europe pour leur permettre de se développer à partir de l'Europe.